Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de comment configurer les menus dans Bokeh. Pour cette vidéo, je vais utiliser le site des médiathèques de Saint-Dizier et de Oissy. Donc on commence tout de suite. Donc là, je suis logué en administrateur. Vous voyez que sur le menu horizontal du site, j'ai des nouveaux icônes qui apparaissent. Donc un qui me permet de modifier le menu dans l'intégralité et de modifier les entrées. Donc par exemple, si je veux modifier le menu horizontal, je vais pouvoir choisir parmi la liste d'éléments disponibles les différents éléments que je veux afficher. Donc par exemple, si je veux rajouter, donc là j'ai mon compte, je vais rajouter un lien vers mes paniers, je vais le mettre en dernière position dans le menu. Je vais valider et continuer de modifier. Donc là, ici, on voit bien que j'ai le lien qui s'est rajouté. Bon, par contre, ce n'est pas prévu pour cette charte graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer et puis je vais aller en éditer un autre. Hop, je valide et je continue. Donc revoilà le menu dans son état initial. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la possibilité donc de changer l'ordre des éléments. Donc là, j'ai pris le menu mon compte, qu'on retrouve ici en deuxième position, et je vais mettre d'abord les médiathèques, ensuite les rendez-vous. Hop. Je valide et je continue. Voilà, donc là, ça a mis à jour le menu. Donc j'ai toujours mon menu accueil, ensuite les médiathèques et les rendez-vous, puis mon compte qui est passé ici. Ensuite, on peut modifier les autres menus en accédant directement au picto d'administration le concernant. Donc là, je suis en train de modifier le menu rendez-vous. Et même principe que pour le menu horizontal, je peux choisir différents éléments et les réorganiser. Voilà pour cette partie front office sur le menu horizontal. Alors vous avez aussi la possibilité de le faire sur les menus verticaux. Donc là ici j'ai une boîte menu vertical de configurer qui utilise le menu info pratique. Alors vous pouvez maintenant créer un menu à la volée. Donc par exemple, si je n'ai pas encore créé le menu, je peux le créer ici. Donc je fais hop, valider. Voilà, j'ai mon nouveau menu qui est apparu ici et ensuite je vais éditer ce nouveau menu directement. Donc le titre, je vais l'appeler par exemple mon compte, et au niveau des éléments, je vais mettre des liens qui concernent mon compte. Donc je vais mettre, voilà, si je veux voir les cartes que j'ai sur ce compte. Mes paniers, je vais mettre mes paniers après, je vais mettre mes prêts et mes réservations. Donc je vais mettre mes réservations et mes prêts, mes réservations, mes cartes, mes paniers. Voilà, je vais laisser ça comme ça, je valide et je continue pour voir si ça me convient. Voilà, donc là j'ai le menu, tac, ok, ça me convient, donc je vais fermer la configuration de ce menu. Et ensuite, je vais pouvoir renommer, par exemple, pour lien vers mes prêts en cours, je vais mettre mes prêts en cours avec la majuscule sur le M, et je vais valider. Voilà, mes prêts en cours. Donc, on va passer maintenant du côté back-office du logiciel. Donc ici, l'interface. Donc vous avez toujours le petit picto qui vous permet d'accéder à la configuration des menus. Hop, on y accède. Et ici vous retrouvez donc tous les menus que vous avez ajoutés ou créés dans ce profil. Et vous avez accès à la modification. Donc là on voit que le dernier c'est le menu mon compte. Que je viens de créer, et je peux modifier ici, hein, donc par exemple le lien vers mes réservations, je vais le changer et je vais dire mes réservations en cours, je le valide.
Voilà, et là, si je retourne en front, voilà, j'ai bien mes réservations en cours qui ont été mises à jour. Voilà, j'espère que cette démo vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.